Depuis 2015, le Tchad a amorcé un processus de modernisation et de mécanisation de son agriculture. Les autorités ambitionnent mettre en place une zone économique spéciale agricole dans le sud du pays. S'inspirant du Gabon, qui a mis en place une zone économique spéciale à Nkok, le Tchad envisage s'imprégner des mécanismes et procédures afin de reproduire le même modèle dans sa zone économique agricole. Cette politique permettrait au pays de disposer des documents de politique agricole pour négocier les différents accords internationaux en matière agricole. Au Tchad, l'agriculture représente 23% du produit intérieur brut et contribue à hauteur de 32% aux échanges commerciaux. Cependant, malgré les potentialités du pays en matière de production agricole, le niveau de performance du secteur reste relativement faible. Les agriculteurs sont confrontés à des difficultés de rendement de leurs produits agricoles. Il y a plusieurs agriculteurs qui sont dans les zones reculées. Transporter leurs produits dans des zones urbaines pose toujours des problèmes à ceux qui sont dans les zones reculées. Il est très difficile au Tchad d'avoir l'accès au crédit agricole. Depuis quelques années, l'agriculture au Tchad est entrée dans une phase de modernisation. Celle-ci devrait passer par l'intensification et la mécanisation des moyens de production qui constituent une alternative aux faiblesses d'ordre naturel, technique, institutionnel et financier du secteur.